Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur God of War Ragnarok. Ouais, je me suis dit, écoute, une petite vidéo découverte. Attention, découverte, je le dis. Non, je sais pas si ça va partir sur un let's play. Après, ça dépend vraiment. Si la première partie, elle est incroyable, ce qui risque d'être le cas en vérité, parce que c'est un peu de type spectaculaire. Et en vérité, si je savais que le God of War qui est sorti en 2018, s'il était aussi incroyable, moi, je pense, même si j'étais pas à fond dans la licence, je pense que je l'aurais fait à l'époque, la vérité. Alors, peut-être un petit résumé, je sais pas. La mère du garçon est morte. Elle voulait qu'on disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Ouais, c'était ça. Moi, j'avais fait une vidéo sur les ça, une vidéo. De ce royaume n'apprécie avec des mods. Pas beaucoup les étrangers, crois-moi. Tu es une déesse. Le combat. Oui, j'étais chef des vannes autrefois, mais plus maintenant. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Ah oui, il avait une tête vous avec lui aussi. Vous devez commencer par me couper la tête. Ah, il a coupé la tête en fait. Ah, je savais pas. Odin t'a à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. Ah, et du coup, il y a la scène finale, je crois, de God of War 2018. J'ai choisi de vivre comme un humain. Je crois on voit Thor. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Ah. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ah ouais. Tuer un dieu est lourd de conséquences. Ah ouais, lui, il est imbattable, bordel. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. Enfin, c'est le combat final, ça, hein, dans le God of War. Parce que moi, j'ai vu les vidéos, hein. J'ai vu les vidéos sur YouTube. C'est juste les vidéos de combat. Aïe, aïe, aïe. Non, non, mon fils. Mon fils chéri. C'est maman. Regarde, c'était une géante. Je suis un géant. Il y a quand même une chose que je comprends pas. Les géants m'appelaient Loki. Ah, c'est Loki. Pour aujourd'hui. Mais quoi? C'est Loki, Atreus, c'est Loki, what? Attends. Ok, ça rend les trucs un peu intéressants, ouais. Oh, je veux l'histoire avant tout, frérot. Ouais, ouais, l'histoire avant tout, on va pas de difficulté. Parce que c'est vrai que moi, je trouve ça un peu décourageant, tu vois. Tu joues à un jeu, mais en vérité, c'est compliqué. Je joue au jeu pour fuir au quotidien. Pas pour me retrouver dans d'autres difficultés. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est ma vision des choses. J'aime bien un peu de challenge aussi, des fois, mais bref. Et petite note, c'est pas mal, hein. Ça s'enchaîne directement du menu pause. Enfin, du menu, tout court. Au jeu, tout simplement. Comme dans le premier, quoi. Enfin, le God of War 2018, quoi. Très sympathique, avec l'arbre que tu commençais à couper. Pour info, on est sur PS5, hein. Mais il me semble que même sur PS4, ça... Ça envoie quand même du lourd. J'ai l'impression que je suis en train de regarder un film, tellement c'est super bien fait, super bien détaillé. C'est le gosse. Atreus. Il est parti à la chasse. Tu as faim? Ouah, il a mué de fou. C'est une dinguerie. Je te jure, c'est passé de « tu as faim » à « t'as faim, mec ? Wesh ma gueule ! » Et maintenant ? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare la cage. Est-ce qu'ils ont gardé la même voix de l'enfant qui a mué lui-même dans la vraie vie, ou bien ils ont pris quelqu'un d'autre ? C'est ça la question qui sert à rien, mais je me pose la question quand même. Aïe aïe aïe. Putain, le frérot, il a l'air d'avoir des problèmes dans la tête. C'est une dinguerie. Allez, je veux du gameplay, frérot, s'il te plaît, là. Depuis le début, je fais que de regarder. Je suis dans une salle de ciné ou quoi? Incroyable. D'ailleurs, je pense qu'il sortira sur PC, un de ces quatre. Mais j'avais clairement pas envie d'attendre la sortie sur PC. Hein. Alors là, vraiment pas. Oh, c'est des loups. C'est comme des loups.
Tu veux de l'aide? Tu es prêt? Allez, let's go! Du gameplay traîneau! Aïe, 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 aïe! Wow, oh, ça commence direct! Incroyable! Je m'attendais pas à une accélération aussi intense! Je te jure! Il les a démarrés! C'est joli! J'espère que Fenrir a pu dormir! Il faudra peut-être manger quand on arrivera! Mais. Très malade, Atreus! Je sais! Il allait un petit peu mieux hier. Donc il mangera. Je ne veux pas baisser les bras. Parle de qui, je sais pas. Tu m'entends? Oui. C'est elle? C'est bien elle. Le symbole est proche. C'est pas problème. Tiens-toi prêt. Les problèmes dès le départ. Oh. Ouf. Elle a soif de vengeance. C'est pas la meuf de la fin du jeu précédent. Pas abandonné comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas son genre. Avec son fils. Je pense que c'est ça. Frérot, accélère. Il faut aller sur l'autoroute là. Oh merde. Elle est en train de traîner mon crâne, sa mère. Attention! Oh, j'ai pas envie de faire un accident de traîneau là! Reviens à l'attaque! Je ne veux pas! Elle veut pas lâcher l'affaire! Je vais pas tenir longtemps! Esquime! Allez! Laisse-moi me défendre quand même! Elle m'a éclaté la moitié de ma vie, wesh! Symbole de protection est proche. Elle va faire tomber des bails sur nous encore. Des stalactites ou des je sais pas quoi là. Oh non. Non merci. Oh, sa grand-mère. Aïe 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 aïe. Ça fait très mal de faire poignarder comme ça là dans l'épaule. Ne me force pas à faire ça. Alors je sais pas si tu vas faire grand chose avec l'arc, mon ref. Incroyable. Oh, le pire, c'est même pas ça qui va la tuer, je te jure. Nom de Dieu. Je crois que c'est une avalanche qui va t'aider à la semer. Momentanément, peut-être. Oh, je vois que dalle. Oh. C'était le symbole. Oh, le plan était incroyable. On est sauvés. Rentrons chez nous. Speki, Svana, hop. Je suis désolé de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout, tu l'as sauvée. J'ai tué son fils. Ah bah voilà, c'était elle. On ne pardonne pas ces choses-là. Tu es Baldur a dû marquer le début de Fimbulwetter. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. C'est une dinguerie. Normalement, on dit que le pire, il est derrière nous, là. C'est non. Le pire est à venir, Starfall. Je vais le faire. Je te dis la vérité, ça donne envie de partir sur un let's play, hein. C'est un truc de ouf. Je m'occupe du cerf. Je crois que c'est un des deux animaux là qui était malade. C'est lui dont j'ai parlé, tu crois? Dans la, quand il se baladait sur le traîneau, je sais pas. I don't know.
Est-ce qu'il a pris de l'âge, le frérot Kratos, depuis le dernier, dernier épisode, j'ai envie de dire. J'ai pas l'impression. Il vieillit ultra lentement. Oh mon dieu, on est enfin à pied. Magnifique. Avant, on avait notre petit Uber traîneau. Ah bah, ils sont partis, les frérots, les loups. Où est-ce que vous êtes, les loups? Ah, ils sont là. Vous vous caressez, les frérots? C'est comment? Vous avez fait un vrai taf là-bas. Hein. Sans vous, on serait... Bah, on serait peut-être mort. Ouais, c'est possible. Bon, apparemment, on va les laisser tranquilles. Ils se reposent un petit peu de ce périple un peu bizarre. On vous salue toujours. Atreus. Fenrir. Ça va, mon grand? Fenrir. Tu me fais rire, Fenrir. T'as capté. Ah, c'est lui, Fenrir. Ah, donc c'est un autre loup. Je crois que lui, il va pas très bien. Je suis là. Je sais. Tu m'as manqué aussi. Où est ton repas? Tu as encore faim? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Skin. Quoi? C'est trop gros? Il a plus d'appétit. Faut lui donner des petits kiri, frérot. Donne-lui des kiri. Oui, voilà. Bon loup. Tu prennes des forces, mon frérot. Quand on dit t'as une faim de loup. C'est pas ça, une faim de loup. Non, il recrache. Atreus. Atreus, son heure approche. Tu non. Te préparer. Dis pas ça. Putain. À quoi? Il mange encore, il veut vivre. Il est mourant. Son dire, il a dit, ouais, c'est vrai. Il a raison, ton daron, écoute-le. Je sais que c'est pas tu drôle. Es un bon loup. Un très grand loup. Rapide et fort. Mais quoi, tu peux il... te reposer. Il est devenu vieux peut-être ou je sais pas. Il est juste tombé malade. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. Non. Non, 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 pars pas mon ref, pourquoi tu dis ça? Sofna. Sofna. Essan. Sofna. On dirait qu'il convulse le loup. Non, il est mort. Il était en train de partir. Ah, il lui a fait comme un sort. Et c'est son âme qui s'évapore. Pourquoi vous nous faites ça dès le départ, les frérots? Il y a même pas de... Je sais pas, commencer graduellement avec les émotions. C'est pas possible, frère, dès le départ. On va s'entraîner. Skin. Quoi? On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi? À quoi bon? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbulvetr précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis, qui est Loki. Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer.
S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. Ah oui, laisse-le au moins... profiter avec lui, miskin. Ça se voit qu'il était attaché à lui. T'imagines ? Il vient à peine de perdre son loup, il lui dit « Frérot, viens, il faut qu'on aille à Fitness Park, il faut qu'on aille à la salle. » Il lui a dit « Il faut qu'on s'entraîne, ça va pas ou quoi ?» On empêche, le soir, il n'y a pas beaucoup de monde à la salle, mais t'as capté. Mais bon, on rigole. Ah, il est encore là, lui ! C'est une dinguerie. Mince ! Je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort. Oh non, pas Fenrir. Comment va le petit ? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Comment il dort, le mec de la tête, là ? Juste, il ferme les yeux, en fait. Il peut pas se coucher, ce... Il roule ? Je sais pas. C'est un truc de fou. Chaque mouvement du frérot Kratos, là, j'ai des vibrations dans la manette. C'est ouf. Je pense qu'il y aura des vibrations quand il va ronfler aussi, c'est sûr. C'est la logique des choses. Le sommeil des dieux. Alors, ce serait une dinguerie si on... Il faisait un rêve. Ih, c'est quoi ça? C'est censé être genre... Ostorf. Censé être sa femme. Wow, Ostorf là. C'est quoi ça? Ouais, c'est un rêve. Kratos? Tu viens avec moi? T'imagines, c'est une attaque de sommeil, tu vois, une attaque pendant son sommeil d'un ennemi. Et il s'est immiscé dans son esprit. Mais oui, je crois que c'est censé être sa femme, je crois. Je l'ai jamais vue, moi. Je sais pas qui c'est, tu vois, ou pas. Faye. Es-tu prêt? Tu marches comme si Ymir lui-même se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, grognon. Grognon. Tué il y a peu. Au moins, il n'a pas souffert. Dois-je interpréter tes grognements? À quoi penses-tu? On chasse un prédateur. Allô? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tes paroles sont erronées. Chut. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand. On veut t'aider. Non, non, ne... Oh. Viens. Le loup malade que nous avons trouvé, il a passé le symbole, comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire? Nous ne nous cachons pas. Alors on va où là? Ah, il y a un truc là. Ouais, même la femme, elle est ultra forte, c'est une dinguerie. Tu me laisses me charger de celui-là? C'est bien. Alors, pour vous, ici. Ok. Le loup. Faye. La femme, elle est partie. Elle nous a laissé face au loup. Le temps presse, mon tendre amour. Et il y a beaucoup à faire. Non. Mon frère.
Mon frère ? Cauchemar, mon frère, cauchemar, cauchemar. Je t'ai réveillé la tête, mon ref. Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je beugle ? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Oh. Il ne peut pas être loin. Je crois qu'il a même pas dormi la tête. Je crois qu'il dort pas. Nom de Dieu. Je l'ai accroché à mon fiac. Pas possible quand même. J'espère qu'il le prend pas mal. Donc là, le gosse, il... Le pas de Baldur est trop instable, mon frère. Il a fugué. Il ne s'y serait pas risqué. Aurait-il pris un raccourci via le monde entre les royaumes ? Non. Les pierres n'ont pas bougé. Mm-hmm. Ça n'a pas été ouvert. Pas ouais. De traces par ici. Et par là. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Mm-hmm. Mmh. Verrouillé. Oui. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite ? Il a rampé par là. Par là. Allez, moi. Bim. Et bim. Le sommeil semblait agité. Plus que d'ordinaire. Des cauchemars ? Je rêve du passé. Presque toutes les nuits. Ah, la triste époque, en Grèce ? Non, c'est comme si Faye voulait me dire quelque chose. Mmh. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non, mais c'est plus qu'un simple souvenir. Mmh. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Des assaillants ! On va se taper, on va se taper ! Aïe! Ok, faut des attaques rapides parce que là j'ai fait une attaque lourde. Et c'était. Oh, je l'ai déchiqueté. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Oh. Mais wesh, c'est un truc de fou quand même. Alors, viens par là. Aïe! Non, mais non. Ok, on peut faire des esquives aussi. Ah, c'est pas mal. Vas-y, vas-y. Attaque. Aïe, aïe, aïe. Il m'a attaqué, mais je pensais pas qu'il allait le faire. C'est pas possible. Allez, tiens. Tiens ça, ma gueule. Je te déchique ton pote. Je te déchique ma gueule. Bam! Boum! Et toi là, boum! Voilà. Oh, sa tête. C'est quelque chose, hein. La puissance d'un dieu énervé qui cherche son gosse. Ils n'ont rien à faire là. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non ? Il y avait une touche, je crois que j'aurais pu l'éclater contre le symbole truc. Brisé. Cela explique nos visiteurs. Que s'est-il passé ? Oh, c'est un ours. Un ours, mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours, blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste, nous le trouverons. Ok, mon ref. Je l'aime bien, ce compagnon tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il me prend pas la tête, il est gentil. Ah, la piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Mm-hmm. On va faire quoi ? On va éclater ça ? Sais-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller ? Une dispute. Il me reproche de me cacher de Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Oh, c'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien, tant mieux. Tu crois aux prophéties, toi ? Je suis sceptique par nature. Mais nous avons vu des choses qui défient la logique. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit, je suis totalement perdu. Mais toi-même, frérot, tu défies toute logique. Si tu me racontes, t'es une tête qui parle. Une tête toute seule qui parle. Alors, on va charger la hache. Ok, et je vais le viser. Oh ! Stylé, ça. Je la rends toute gelée, là. Mon ref ! Bam ! Wow ! Incroyable, ça. Tiens ça ! Bam, bim ! Boum ! Déchiquetage ! Déchiquetage ! Je vais déchiqueter tout le monde. Pardon. On dirait des tarés, vraiment, les jeux, hein. Un truc de fou. Allez, reviens par là. Aïe ! Tu me fais rien, mon ref ! J'ai dit, tu me fais rien du tout ! Et on va pas beaucoup toucher. En même temps, on est à la difficulté minimale. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Franchement, j'aime bien. Ah ah ! Ah, c'est une dame, ça ? Je suis désolé, madame. J'étais obligé de vous tuer. Trop nombreux pour ton éclaireur. Ils doivent avoir un camp non loin d'ici. Je sais à quoi tu penses, mon frère. Mais Atreus peut s'en sortir seul. Je l'ai bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Et il te le dit parce qu'il a peur de toi, mon ref. Ok. Des passe torches. Par là. Et la piste mène dans cette grotte. Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Mais est-ce qu'on va faire l'approche discrète ? C'est ça la question. Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups ? Non,
Ils sont là depuis peu. Des maraudeurs. Mort venu du ciel. Vas-y. Allez, mon ref. Oh, oh, c'est pas mal. J'aime bien. Que des grognements, mon ref. C'est incroyable. Tiens ça. Oh, et voilà. Bon, bah, c'était rapide en vrai. Ça nous indique des petits trucs à faire. Très sympathique, ma foi, en termes de combat. Et voilà. Allez, allez, petite attaque. Oh. Ah, je me disais qu'il y avait une attaque spéciale à faire. Il s'enfonce plus encore. Il en viendra d'autres. Bah alors. Et c'est tellement intense. Atreus, es-tu là ? Atreus ! Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. La piste ressort. Nous allons encore devoir grimper pour la retrouver. J'aime bien ouvrir des petits trésors. Parce qu'il y a des richesses dedans. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pourchassait Atreus ? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Et pas rassurant le pote, hein. Atreus, où es-tu ? Ouf. Combat contre un ours. Et il a l'air géant en plus, c'est pas possible. Oh, mais non, mon ref. J'avais pas envie d'en arriver là, quand même. Ah, bababiboum. Attends, j'essaie de le... Non, j'essaie de rien faire du tout. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Il fait mal, l'ours. Mon ref, t'es mignon à la... Ah. Voilà, je t'ai fait une petite attaque. Ça lui a rien fait, c'est une dinguerie. Ça lui fait pas grand-chose. Hein. Les attaques signalées comme... avec un cercle rouge, ça veut dire qu'il va t'éclater ta race. Non, tu peux pas les bloquer, ça veut dire. Hein. Attends, j'essaie de te viser comme ça, ça te dérange pas. Des petits bails comme ça. Aïe, oh là. Ouais, bon, ça va prendre un certain temps. Dans le fiac. Ça te va ou pas, mon ref? Ok, ah. Eh merde. Ouh là 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 là. Ouais, c'est vrai, ça disait que je pouvais pas esquiver ça. Hein. Ouais. Attends, mon ref. Oh non, non, mais pas avec des coups de pied, mon ref. Ouais, ça sert à rien, les coups de pied. Littéralement. Ah, il y va pas de main morte, comme on dit. Attends. Oh. J'ai la rage. Est-ce que ça te fait quoi que ce soit? Ouais, on dirait Kratos lui-même, ça nous. J'ai juré. Ouf. Aïe, 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 je crois que c'est la rage des guerriers, là, ou comment on appelle ça, là. Il est surpuissant. J'espère que ça peut durer longtemps, ça. Ah, bah non, dommage. D'accord, bon, c'était court et intense. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps, ma gueule. Tu vas le regretter très bientôt, petit ours. Enfin, grand ours géant, là, tu vas voir. Je vais te faire des attaques dans les fesses. Tu vas rien comprendre. Ah, ah. Oh, let's go. Je pense que c'est finito. Est-ce que c'est finito, vraiment? Aïe. Mais ça aurait été mieux juste de discuter avec lui plutôt que la violence et tout. Il va lui couper la tête, dis-moi. Laisse ma tête tranquille, touche pas à ma tête. Il va lui craquer la gueule. Oh, il lui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? On dirait il... Oh. Atreus. Quoi? C'était lui? Quoi? Moi, je savais pas. Doucement, concentre-toi, Kiri. Ah oui, c'est vrai que Loki, il peut prendre n'importe quelle apparence. Donc peut-être que... Enfin, je crois qu'il peut faire ça, Loki. En tout cas, dans qu'est-ce MCU, Loki, il peut faire ça. Tu ne te souviens pas? Tu vas me dire, il est devenu un ours. J'ai enterré Fenrir. Et après, je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et... Je l'ai... attaqué. Mais ça devait être un rêve. C'était pas un rêve, mon ref.
Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus, il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qu'est censé jouer Loki? Atreus! Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non! Non. Parce que je suis ton père. T'es bête ou quoi? Ressaisis-toi. Attends, mais y a pas pire qu'un adolescent avec des pouvoirs. Hein. Des pouvoirs énormes en plus, dont lui-même n'a pas idée. C'est un peu compliqué. Hein. C'est pas pour Verdure, mais c'est un peu compliqué. C'est même Pascal le grand frère, il va pas régler grand-chose, hein, la vérité. Hein. Bon, on va essayer d'enchaîner avec la suite tout en essayant d'éviter les problèmes sur la route. Et je vais pas trop essayer de contredire le petit. Par ici. Après Kratos, il a pas peur du petit, hein, mais bon. Va-t-on parler de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais... c'est ce que dit ta voix. Ah, c'est bon, c'était si malin que ça, mon ref, hein. On va se battre contre des gens. Alors, on peut demander au frérot de l'éclater. C'est pas mal, ça. Voilà, c'est bien, ça. Bam! Et bim, bam, boum! J'ai la rage, mec. J'ai la rage. Ah, gargouche! Gargouche! Et bim, bam, boum! Et boum! Yeah. C'est un truc de fou, ça. Elle est où, ma hache? Ah, voilà la hache. Je me disais, wesh. Mais c'est bien, j'ai un bruit aussi, c'est pas mal. Hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Un coup de Fimbulwetter, peut-être? Je connais ça. Il fait semblant de pas savoir. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il a fait de la magie, il a fait du sort, tu sais reconnaître. Ça y est, je sais où nous sommes. Mais il a couru trop vite. Viens, ce sang. De toi, Atreus. Sérieusement? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Je te dis la vérité, moi non plus. Je trouve pas ça rassurant du tout, en fait. Je pense qu'on aura la vengeance de l'autre ours qu'il a tapé. Celui-là. C'est quoi cette sorcellerie? Oh non! C'est les enfants de l'ours! Je voulais pas. Qu'importe les intentions, seul compte le résultat. Que pouvons-nous faire? Rien. La nature fera son œuvre. Bah, ils vont peut-être pas survivre, hein. J'espère que t'es fier de toi, petit con. Il fait assez froid comme ça.
La maison est proche. Hé, hey, Svana. N'aie pas peur. Tu es courageuse. Là, c'est bien. C'est ça. Il sait y faire. Et ce n'est pas étonnant. Atreus ! Au lit ! Ah bah, tu prends, on déconne avec toi, frérot. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Ah, il dort jamais. Tu le verras en vieillissant. Je sais pas, il me fait rire ce perso. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait. Je pense qu'on va retourner dans ses rêves. C'est trop stylé ce jeu parce qu'on dirait que. Il se passe entièrement en plan séquence. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de changement d'angle et tout. Je crois que c'est vraiment le cas. Hein. C'est peut-être aussi le cas pour le God of War 2018. Oh là là. Bah c'est le frérot Thor. Hein. Bien c'est une vision. Désolé d'arrêter l'épisode ici. Je me suis dit que ça serait mieux de diviser plutôt que de rendre un gros épisode, tu vois ce que je veux dire. Et vous aurez la suite bientôt. Voilà, prenez soin de votre vidéo. Peace!